Inculpé en 92 pour crime contre l'humanité, pour son rôle pendant l'occupation, René Bousquet a été assassiné, on s'en souvient, en juin 93. L'action de la justice est donc éteinte et cet homme a probablement emmené un certain nombre de ses secrets dans sa tombe. Éric Lemasson. René Bousquet avait presque réussi à terminer sa vie en notable respectable et respecté. Ses funérailles en juin 93 seront pourtant célébrées en toute discrétion, presque à la sauvette, après son assassinat spectaculaire par un illuminé. Pour le reste, l'objectif principal de la vie de René Bousquet avait été atteint, faire carrière. Faire carrière, c'est d'abord devenir en 1940 le plus jeune préfet de région de France. Déjà titulaire de la Légion d'honneur, Bousquet est un haut fonctionnaire de 31 ans si habile que Pierre Laval le remarque et le nomme en avril 42 secrétaire général de la police. Faire carrière, c'est donc servir la machine administrative de Vichy. Ainsi, René Bousquet rencontre à Paris Heydrich, l'un des plus hauts dignitaires nazis, pour y négocier notamment la collaboration de la police française avec les nazis sur les questions juives. 1949, Bousquet, le collaborateur, est jugé. Mais bien que condamné à 5 ans d'indignité nationale, la Haute Cour le relève de cette condamnation pour fait de résistance. Je suppose qu'en 1949, on ne connaissait pas le dossier Bousquet qu'on l'a. On l'a découvert plus tard, parce qu'en France, ça paraît impensable que Bousquet, qui a été le secrétaire général de la police de Vichy, qui avait la responsabilité de la RAF, qui a été plus loin que les Allemands, puisqu'il voulait prendre les enfants, et qu'il a pris d'ailleurs, il y a un trou. Je ne m'explique pas que quelqu'un avait, pour employer une expression vulgaire, je dirais que quelqu'un a planqué le dossier. Sa seconde carrière, René Bousquet l'amènera dans les affaires, toujours aussi brillamment. Entré dans le groupe Indosuez, il se construira en 25 ans l'image d'un homme riche et influent, présent dans 12 conseils d'administration, introduit aussi dans la presse grâce à ses liens avec la Dépêche du Midi. C'est pourtant un article de presse qui fera ressurgir le passé de Bousquet. Dans l'Express, un ancien collaborateur français le met en cause. Nous sommes en 1978, certains dirigeants d'entreprises comme Antoine Veil réalisent alors qui est vraiment l'homme qui siège à leur conseil d'administration. J'ai trouvé ça tout à fait intolérable. Je suis allé voir le président de la société et je lui ai dit que si ce Bousquet ne quittait pas le conseil d'administration, moi je quitterais la direction de la société. Bousquet a quitté le conseil d'administration. Et quel type d'homme était-il dans ce milieu? Un homme d'affaires comme les autres, portant beau, portant Légion d'honneur, avec des interventions généralement intelligentes et quelquefois un peu caustiques. La suite, c'est dès 1983 des révélations de Serge Klarsfeld, document à l'appui, puis sa plainte en 89, puis l'inculpation en 91 pour crime contre l'humanité, jusqu'à l'assassinat de René Bousquet en juin 1993.